parlait de planter des arbres fruitiers pour nourrir et pour transmettre, pour son plaisir et pour le futur. Je vais vous convaincre qu'il faut se former tout au long de sa vie et que les enjeux du potager du roi de Versailles sont aussi vos enjeux. Le premier espace auquel Louis XIV s'intéresse à Versailles, c'est le potager de son père, Louis XIII. C'est normal. Se nourrir en toute sécurité est une priorité pour le roi et au nom du roi pour la nation. Il va créer son propre jardin nourricier, le potager du roi, le nouveau potager de Versailles, à partir de 1678. Les arbres fruitiers structurent ce jardin. Avec ses murs, ses terrasses, ses escaliers, ses arbres et ses autres plantes, le potager du roi est plus qu'un monument historique. C'est un patrimoine vivant. C'est comme une musique qu'il faut jouer pour qu'elle soit entendue, comme une danse qu'il faut danser pour qu'elle soit ressentie, comme un repas qu'il faut manger pour se nourrir. Et ce repas, il faut le produire. Et pour que nous ayons de l'appétit, il doit avoir du goût. Le potager du roi, c'est un acte agricole qui devient un paysage. Aujourd'hui, et c'est le cas depuis 140 ans, c'est une école qui cultive le potager du roi. C'est l'École nationale supérieure de paysage, fille de l'École nationale d'horticulture, fille de l'École centrale de la Révolution française. Et aujourd'hui, tous héritiers d'un projet de production et de transmission voulu par Louis XIV et réalisé par une équipe exceptionnelle d'artisans et d'artistes, de jardiniers et de jardinistes. Les arbres fruitiers du potager du roi ont une échelle de temps de culture qui nous ressemble. C'est une durée qui s'échelonne, selon les espèces et les variétés, entre une quinzaine et une centaine d'années. Pour que nous puissions manger, nous, il faut planter et replanter, le potager du roi pour que lui aussi perdure. Le jardin nous rappelle que nous devons nous cultiver, nous former tout au long de la vie. Je vais vous raconter tout ce qu'il faut savoir pour planter un arbre fruitier et tout ce qu'il faut savoir pour cultiver un arbre fruitier. Et ma conclusion, je vous le propose maintenant et je le répéterai à la fin, il faut s'informer et essayer. Il faut planter pour ne pas se planter. Jean-Baptiste de la Quintigny, concepteur et premier jardinier du potager du roi, commence son gros ouvrage « Instructions pour les jardins fruitiers et potagers » publié en 1690, par un abrégé des maximes du jardinage et une explication des termes de jardinage. Avant de planter un arbre fruitier, il est utile d'avoir des idées claires et raisonnables sur ses objectifs par rapport à un site particulier. Au potager du roi, ses objectifs sont patrimoniaux, mais nous avons besoin de nous entendre sur l'essence de ce mot. Il s'agit de conserver et transmettre un site classé monument historique, partie intégrante de l'ensemble du domaine de Versailles, mais géré et valorisé de façon indépendante du château et du parc. L'objectif de l'École nationale supérieure de paysage est de respecter l'esprit du projet initial, produire des fruits et des légumes de grande qualité pour la nation, former des personnes compétentes, émerveiller le visiteur. Ces objectifs ne sont pas différents de ceux que vous avez pour vos propres terrains. Vous fournir une partie de votre alimentation de façon durable, être un lieu où vous apprenez des choses, vous apaiser dans notre monde en surchauffe. En cohérence avec vos objectifs, il faut observer, se sensibiliser, s'informer. Le potager du roi a été construit sur un espace marécageux, dépotoir du vieux Versailles, remblayé, surélevé, avec les sables issus du creusement de la pièce d'eau des Suisses voisins, et dont la terre cultivable est issue du décapage des terres agricoles du plateau de Satory à côté. Ce n'est pas un site naturel. C'est une introduction à l'art du paysagiste concepteur. Au potager du roi, c'est ensuite 900 tombereaux de fumier de cheval tous les ans pendant 100 ans. La terre fertile, le sol du potager du roi, est une création humaine et elle continue de l'être. Dans nos villes et même dans nos campagnes, les sols ont été bouleversés par nos bâtiments et par nos routes et aussi par notre agriculture. Il est nécessaire de connaître nos sols, vos sols,
Lacantini incite à ce que vous les goûtez. Si vous voulez savoir si votre sol sera bon pour les fruits et les légumes, écrit-il, il faut en prendre une poignée, le mélanger avec l'eau présente sur le site, celui que vous allez utiliser pour arroser, secouer, filtrer, goûter. Si l'eau a bon goût, c'est que votre terre est bonne. Faites confiance à votre nez et à votre langue. Soyez raisonnable aussi. Ne buvez pas à grande lampée, mais humez, soyez attentif. Utilisez tous vos sens, car peut-être vos sols sont pollués. Après la connaissance des sols, il faut prendre conscience, s'intéresser au temps, à la météo. Ce qui nous amène ensuite aux plantes, et dans notre cas, aujourd'hui, aux arbres fruitiers. Pour planter des arbres fruitiers, il faut choisir des arbres fruitiers. Regardez autour de vous et prenez connaissance de ce qui marche chez vos voisins. L'originalité est essentielle, mais il ne faut pas non plus, au nom de l'originalité, ne pas avoir d'arbres fruitiers qui poussent, qui produisent, qui vous proposent des fruits qui sont bons, justes et pas chers. Ensuite, prenez du temps pour connaître autre chose que ce qui vous entoure immédiatement. Et là, je pense aux différents arbousiers, aronniers, feijoas, goji, gumi. Dans le cas du potager du roi, nous avons les listes de fruits de Lacantini au XVIIe siècle. Nous avons aussi une liste des années 1730, bien plus courte, des fruits préférés d'un de ses successeurs, le Normand. Nous avons les recommandations de Léon Bussard, au début du XXe siècle, professeur sur le site du potager du roi. Mais les objectifs ne sont pas identiques à chacune de ces périodes. Aujourd'hui, nous devons trouver les moyens d'être durables, durables avec moins de jardiniers. Nous devons éliminer les traitements chimiques et toxiques qu'ils utilisaient beaucoup au XXe siècle, mais aussi au XVIIe et XVIIIe siècle, période pendant laquelle l'arsenic ou la nicotine, des puissants poisons, pouvaient être utilisés. Bien évidemment, le changement climatique rend illusoire la culture d'érables de plantes qui ne sont plus adaptées. Je vous rappelle que les arbres fruitiers tels que nous les cultivons ont une durée de vie similaire à la nôtre. Mais c'est-à-dire que la plupart de nos choix d'aujourd'hui engagent nos successeurs et leurs successeurs aussi. Le choix de l'arbre fruitier ne peut être fait sans des intentions concernant sa culture. Comment est-ce que vous allez faire? La plupart de nos arbres fruitiers sont reproduits de façon asexuelle, et plus précisément par greffage. Cette technique qui insère une plante, dit le greffon, sur une plante, une autre plante, dit le porte-greffe, permet la reproduction à l'identique de la variété, mais en l'adaptant à votre situation particulière. Si les arbres sont reproduits par greffage, la plupart ont toutefois besoin d'une pollinisation croisée pour porter des fruits. C'est-à-dire que pour que les fruits se forment, il faut que les fleurs reçoivent du pollen d'un autre arbre de la même espèce, mais pas de la même variété. Les arbres des voisins peuvent servir, mais très souvent, planter un arbre fruitier veut dire planter plusieurs arbres fruitiers. Avez-vous prévu de laisser l'arbre pousser avec un minimum d'entretien ? Ou avez-vous des intentions de forme, de figure géométrique, à la fois pour avoir des fruits rapidement et pour adapter votre arbre à un espace spécifique, à un espace contraint? Comme pour jouer de la musique, ou danser, ou manger ensemble, il faut être attentif. Il faut comprendre ce qui arrive à l'autre. Donc le premier savoir pour cultiver un arbre fruitier, c'est celui de prendre le temps de l'observer. Nous ne partons jamais de zéro. Pour les arbres fruitiers, nous pouvons toujours déjà les observer dans le parc d'à côté, chez le voisin, le long de la route, dans la forêt. Jean-Baptiste de Lacantini, lui, s'intéressait à la circulation de la sève. Il observait régulièrement les différents tissus des arbres au microscope qui venait d'être inventé. Je ne vous suggère pas d'acheter un microscope, mais de régulièrement vous arrêter et de regarder. L'hiver, comptez les écailles sur les bourgeons. Au printemps, comptez le nombre de jours entre la floraison et la nouaison, le moment où le fruit se forme. L'été, comptez le nombre de branches qui ne portent pas de fruits. Alors, je ne suis pas un obsédé du chiffre. Je suis un obsédé de l'intimité des plantes. Il ne s'agit pas de compléter une feuille comptable, mais de ressentir l'équilibre des plantes, d'être sensible, de leur apporter l'eau qu'elles demandent, de leur apporter le soutien qui leur permet de s'exprimer,
de danser entre eux et avec vous. Je suis pour la chirurgie, la taille, et pour les prothèses, les armatures ou des lattes et du fil de fer, pour former et guider les arbres fruitiers. Mais le savoir et l'art de cultiver les arbres fruitiers est moins une question de l'intervention sur l'arbre et plus une question de créer l'environnement qui permet aux arbres d'être en bonne santé. C'est comme pour vous et pour moi. Il s'agit de chercher la bonne santé et de prévenir la maladie avant d'être confronté au guérir, au besoin de guérir. Alors, je suis conscient que je ne vous propose pas une recette à suivre. Je ne vous propose pas un livre de cuisine avec une série d'ingrédients et des gestes à répéter. Je n'ai pas abordé la préparation des racines à la plantation ou la dimension du trou qu'il faut faire au plus tard, comment tailler. Au Potage du Roi, site historique de l'École nationale supérieure de paysage, nous avons à faire ce que toute école doit faire. Conserver ce que le passé nous a enseigné de mieux et l'enseigner à notre tour. Préparer notre adaptation aux conditions futures. Car l'enjeu d'une école et d'un site historique, c'est celui de son futur et non pas celui de son passé. Planter des arbres au Potager du Roi, c'est une responsabilité particulière. Mais finalement, ce n'est pas si différent que planter des arbres fruitiers chez vous. Il s'agit de faire des essais, de ne jamais arrêter d'essayer et de toujours apprendre en faisant. Merci.